Bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous? Si vous allez bien, que votre famille se porte à merveille, Dieu soit loué. Parce que la vie que nous avons, ce n'est pas une habitude, c'est que la grâce de Dieu. Aujourd'hui, grâce à Dieu encore, nous nous retrouvons dans un autre témoignage puissant. Et nous sommes sûrs, nous serons bonnes pour tous ceux qui sont nouveaux, qui ne sont pas abonnés, pour ne pas manquer nos prochains témoignages puissants. Abonnez-vous, activez la cloche et cliquez sur l'onglet bon en dessous de cette vidéo. Vous aurez directement accès à la page d'accueil où vous verrez nos trois autres chaînes. Vous pouvez vous abonner là-bas et activer la cloche aussi. Et soyez prêts parce que ce que nous allons découvrir ici parle de l'enlèvement. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'enlèvement? Ce jour terrible que les gens n'espéraient pas voir venir. Ce moment terrible où on nous dit même que le Seigneur Jésus-Christ viendra. Et ce jour-là, il y aura tellement de personnes disparues qu'il y aura tellement d'accidents passés par là. Ah, que va-t-il se passer? C'est un jour attendu par tous les chrétiens. Mais personne ne sait quand ça va arriver. Et les gens sont juste là chez eux en train de prier et ils se disent, ah Seigneur, s'il te plaît, quand tu viendras, ô Père, souviens-toi de moi et prends-moi avec toi. De l'autre côté, certaines personnes s'amusent et elles se disent, oh, nous sommes jeunes. Nous n'avons pas encore 50 ans. La fille, elle dit, elle a 20 ans. Donc elle peut faire tout ce qu'elle a envie de faire. Or, derrière tout ça, il y a le diable, comme vous le voyez à l'écran, qui travaille pour attirer les esprits. Pour prendre les esprits des gens. Ça veut dire que tout ce qui est d'être fait même aujourd'hui dans ce monde, tout ce que vous voyez à la télévision, tout ce que vous voyez dans les films, dans les dessins animés, les divertissements, les jeux vidéo, ce sont des choses que le diable a créées pour pouvoir attirer les esprits des gens, comme les esprits que vous voyez à l'écran. Regardez bien à l'écran. Ces gens-là, ils étaient là tranquillement, peut-être en train de jouer aux jeux vidéo, en train de regarder les films, ou bien en train même de travailler, ou bien en train de faire quoi que ce soit. Et voici que le malin, l'esprit malin de l'autre côté là-bas, a commencé déjà à attirer leur esprit, à les séduire. Nous sommes dans un temps où il y a la séduction. Le diable sait que Jésus revient. Le diable peut te faire croire, il peut même nier que Jésus est Seigneur, que Jésus existe. Il peut même t'amener même à dire que c'est faux, Jésus-Christ n'est pas mort, n'est pas ressuscité, tout ce genre d'histoire. Mais ce qui est sûr, c'est que lui, il est conscient de qui il est. Il sait que le Jésus qui est venu là, et que les gens ont tué là, c'était l'agneau. Mais le Jésus qui revient parce qu'il va venir, là. Le Jésus qui revient, l'autre qui va venir là, c'est le même, mais celui qui est monté qui revient là, ce n'est plus le même. Celui-là même, c'est le lion. C'est le lion et même le diable même prépare des démons puissants pour le combattre. Ça veut dire que toi, mon frère, tu ne dois pas te laisser distraire. Toi, ma soeur, tu ne dois pas te laisser distraire par tout ce que tu vois, même les vêtements sexy. On dit qu'il faut se préparer à aller au ciel. Toi, tu es dans les vêtements sexy et tu es encore dans la recherche des maris des gens et de tous ces péchés terribles qu'on ne peut même pas expliquer ici parce que tu le fais dans le noir. Mes frères et sœurs, c'est dur. La vie chrétienne, c'est pas une chose facile parce que le cadeau qu'on aura à la fin, c'est un cadeau très grand. Et tous ceux qui iront au ciel, ce seront les gens qui se seront sanctifiés, qui auront tout fait pour rester sur la bonne voie. Chaque jour, vous serez persécutés. Chaque jour, vous serez tentés. Mais restez sur la bonne voie. Priez. Nul n'est parfait. Dieu va nous protéger, que Dieu nous protège, que Dieu protège nos enfants. Le même Dieu qui va nous protéger là, ce sera le même qui va nous garder jusqu'au jour de l'avènement. Même la mort peut survenir. Si toi, la mort est venue et que ça t'a pris, tu es parti. Si tu étais sur la bonne voie, que tu étais un vrai chrétien, toi, mais tu dois même t'estimer heureux, tu dois t'estimer heureuse. Parce que tu es conscient que tu as demeuré sur la bonne voie. Et tu as reconnu que tu n'es pas parfait. Tu as reconnu que c'est le Seigneur Jésus-Christ seul qui est mort pour toi. Et s'il est mort à la croix, si tu crois en cela, toi tu pourrais sauver. Et tu as tout fait
pour demeurer sur la bonne voie. Ça, c'est une chose qui va te conduire en enfer. Et quand tu meurs dans cette histoire, tu es plutôt heureuse. La mort pour le chrétien, ce n'est qu'un sommeil. C'est juste un sommeil. C'est que les personnes qui sont dans le monde du diable, ou encore les sorciers, qui voient la mort comme quelque chose de dangereux, comme une douleur. Parce qu'au moment de mourir, ces personnes-là voient toutes les personnes qu'elles ont tuées. Il est préférable de rester sur le bon camp, sur le bon chemin. Il est préférable de choisir maintenant, alors que je vous parle, de choisir de marcher droit au lieu de marcher penché à cause des difficultés de la vie et se trouver en enfer plus tard. Nous tous ici, nous traversons des difficultés. Nous tous ici, nous traversons des difficultés. Nous ne savons ce qu'un jour peut enfanter. Aujourd'hui, le jour peut être rouge, orange. Demain, le jour peut être violet. Nous ne savons ce qui se passe. Nous sommes dans un monde terrible. Nous avons l'impression que ce monde a été bâti pour que certaines personnes souffrent. Et que ceux-là même qui sont censés être sur le mauvais chemin réussissent. Vous devez comprendre que dans ce monde, il y a deux chemins. Soit vous choisissez le chemin de la vie, ou vous choisissez le chemin de la mort. C'est comme le riche homme et Lazare. Lazare, c'est un homme pauvre. Le gars, n'avait carrément rien, même plus rien que rien. Le riche homme, lui, il était à l'aise. Il était tellement à l'aise qu'il n'aimait même pas sentir des mauvaises odeurs. Mais il n'a pas compris que Jésus est Seigneur et qu'il faut croire que Jésus est Seigneur. Même si tu es milliardaire, que tu ne crois pas que Jésus est Seigneur, tu n'as pas une relation personnelle avec Dieu, tu ne les pries pas, tu es exposé à tout. Et l'enfer n'est pas loin de toi. Parce que celui qui va donner ton patron, ça sera le diable lui-même. Parce qu'il va attirer ton esprit, toujours attirer ton esprit vers la recherche des richesses de ce monde. Et au moment où tu vas t'en rendre compte, la mort va te surprendre et tu ne pourras plus poursuivre les richesses de ce monde. Et tu vas te retrouver maintenant face aux démons qui t'ont encouragé sur cette voie et vont te dire, mais pourquoi n'as-tu pas pris un temps de ta vie pour pouvoir rechercher quand même Dieu? Ne sais-tu pas que là, si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, tu n'as pas Dieu dans ta vie, tu n'es pas sur le bon chemin, toi, tu ne pourras pas aller au paradis. Et puisque tu as aimé les femmes, tu as pris ton argent même pour t'amuser avec les femmes dans les boîtes de nuit, donc tu vas subir les conséquences. Les jeunes aujourd'hui sont accros aux jeux vidéo, aux jeux vidéo. Les gens jouent, ils jouent au moment où il est l'heure de prier, ils s'endorment, ils ne prient pas. Ils ne prient pas. Sinon, il faut un coup de prière de 1 minute même. Et ils s'endorment. S'ils ont pris le feu de Dieu, merci, ils n'ont plus la crainte de Dieu. Dans cet endroit puissant que nous allons entendre ici, il y aura des choses terribles qui vont se passer. C'est possible que ce témoignage soit divisé en deux parties. Ce qui est sur la partie suivante va apparaître sur l'écran. Il y a tellement de choses à dire sur le sujet, mais puisque nous sommes là pour parler des choses extraordinaires comme l'enlèvement et toutes ces choses, mes frères et sœurs, je pense que nous devons prier. Nous devons vraiment prier pour que Dieu lui-même vienne nous assister et que lui-même nous donne sa force, son pouvoir et sa puissance d'aller jusqu'au bout de ce témoignage puissant. C'est pourquoi nous allons vous demander de vous joindre à nous dans cette prière que nous allons faire maintenant et demander à Dieu de nous protéger. Les yeux fermés, disons tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ, viens nous purifier, viens nous laver, que ton sang nous purifie aujourd'hui et ôte en nous tout ce qui est mauvais. Nous voulons, Seigneur, marcher sur le bon chemin maintenant. Nous voulons, Seigneur, marcher sur le bon chemin maintenant. Viens nous aider, Jésus. Si toi tu ne le fais pas, qui va le faire? Que le Père, oh notre Père, toi qui es dans les cieux, toi qui es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, s'il te plaît, que ta gloire descende sur nous, que ta grâce descende sur nous. Que ta paix descende dans nos maisons, dans nos familles. S'il te plaît, aie pitié de nous et délivre-nous de tout ce qui ne te glorifie pas. Délivre-nous de tout ce qui n'est pas à ton nom.
Délivre-nous des pièges de nos ennemis, même du diable lui-même. Tout ce que le diable placera sur notre chemin comme obstacle, que cela soit sans effet. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Jésus-Christ de nous guider toujours et de nous accorder tout ce qu'il nous faut pour demeurer sur la bonne voie. Et souviens-toi de nous, souviens-toi de tous les abonnés et toutes les personnes de passage qui regarderont cette vidéo, que toi-même tu te souviens de nous jusqu'à la fin des temps, mais même après, éternel notre Dieu. Viens nous assister maintenant. Ce témoin puissant nous donnera la révélation sur des choses même qui sont cachées. S'il te plaît, viens disposer notre corps, notre âme, notre esprit à l'écoute de ta parole. Merci Seigneur de ce que tu nous exauces toujours et de ce que tu es toujours avec nous, de ce que tu nous protèges toujours, de ce que ta main puissante descend sur nous. Protège nos maisons pendant cet instant-là. Protège la maison de tous les abonnés qui regarderont cette vidéo. Dès qu'ils rentreront sur cette vidéo, cliqueront sur play et que ça commencera. Que ta gloire et ta protection divine descendent dans les maisons et connaissent-les directement à ton royaume et pour que la bénédiction descende chez eux et que pendant cet instant-là, ils soient bénis, bien protégés. Et si tu viens les trouver dans cette histoire, dans ce chemin, dans cette position-là, souviens-toi de tous comme tu te souviens de nous aujourd'hui et enlève-nous. Nous allons aller dans ton royaume avec toi. Nous voulons le paradis. Et non aller en enfer. S'il te plaît, Seigneur, accorde-nous ta grâce et ta faveur. Et que ton bon esprit nous accompagne toujours. Viens nous garder, viens nous guider tous les jours de notre vie. Amen. Applaudissez mes frères et sœurs. Applaudissez mes frères et sœurs, c'est extraordinaire. Le tournoi puissant va faire commencer. Et ce que nous allons entendre ici, ce n'est pas pour les enfants, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de la frime. C'est un témoignage puissant. Et ce que nous avons entendu ici, c'est le témoignage d'une sœur. Sa grande sœur a été morte. Et quand elle est morte, elle allait voir l'enfer. Elle a expliqué ça. Elle s'appelait Linda. Linda Gaucha de Sierra Leone. Maintenant, c'est sa sœur Finda. C'est-à-dire sa petite sœur qui lui parlait toujours de Jésus-Christ, que Jésus peut être dit, alors qu'elle elle était dans la prostitution. C'est cette petite sœur en question qui va maintenant avoir un songe. Et dans son songe, elle verra des choses tellement réelles, qui est bien tellement réelles que vous-même vous serez même surpris parce que vous allez entendre. Bon, écoutons. Nous allons compter jusqu'à 3 avant de lancer le témoignage. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes chaud? Appelez quelqu'un qui est à côté et soyez prêts maintenant. Nous allons compter jusqu'à 3. 1, 2, et 3, c'est parti. Écoutons ce témoignage. Je suis rentré du travail autour de 18h passées. Comme j'étais très fatigué, je n'ai pas étudié la Bible ni prié sérieusement ce soir-là, comme je le faisais d'habitude. J'étais aussi très affamé et il me fallait donc faire la cuisine avant d'aller au lit. C'est ce que j'ai fait et après avoir mangé, je suis allé me coucher. C'était entre 22 et 23 heures. Je ne sais pas exactement quand tout a commencé. Je me suis vu en train de regarder un curieux show musical à la télé. Dans ce show, les chanteurs étaient en train de se moquer des chrétiens. Ils les ridiculisaient. Ils étaient aussi en train d'insulter Dieu. C'était des jeunes gens. Ils portaient une marque sur leur front. Ils étaient vêtus de noir. Ils étaient effrayants. Je me suis dit, je suis une chrétienne. Je ne peux pas regarder ce genre de musique où les gens sont en train de se moquer de Dieu et de ridiculiser les chrétiens. Toujours dans le rêve, j'ai décidé d'éteindre la télé et d'aller me coucher. Mais dès que j'ai voulu le faire, je me suis retrouvé au milieu d'une grande foule que personne ne pouvait dénombrer. Dans la vision, je me tenais près d'une espèce de pupitre et très loin du reste de la foule.
L'endroit était très sombre, très noir, au point qu'on ne pouvait reconnaître personne, à moins que Dieu ne le permette. Tout le monde était en train de pleurer à chaudes larmes, regrettant d'avoir raté l'enlèvement. Et l'enlèvement avait eu lieu alors que les gens étaient occupés à faire la fête. Exactement comme la Bible dit que Christ viendra comme un voleur au moment où on s'y attendra le moins, pendant que les hommes seront en train de festoyer. C'est ainsi que cela s'est passé. L'enlèvement a eu lieu alors que les gens vaquaient à leurs affaires et se livraient à toutes sortes d'activités pouvant leur procurer la joie. Je me suis vu parmi cette foule. Un homme qui me connaissait très bien m'a appelé et m'a remis des documents en me disant d'aller les déposer à mon ancien lieu de service. J'ai dit oui, monsieur. Il était assis. Dès que j'ai pris les documents de ses mains, il s'est mis à rire et à pleurer en même temps. Je lui ai demandé, « Vous m'avez demandé de vous faire une faveur et j'ai accepté. » Mais pourquoi riez-vous et pleurez-vous? Quel est le problème? Que se passe-t-il? Il a secoué la tête, m'a regardé dans les yeux et a dit, « Maintenant je sais que tu ne t'es pas rendu compte que tu as raté l'enlèvement. » Dès qu'il a prononcé ces mots, le choc et la douleur étaient si forts que j'ai commencé à pleurer. The shock, the fear, the pain that have grip over me, I begin to cry. Je me suis mise à pleurer. J'ai laissé tomber les documents et j'ai regardé tout autour pour évaluer le nombre de personnes qui se trouvaient là. Mais on ne pouvait pas les compter. And most of these people, la plupart étaient des jeunes gens. C'était des jeunes. C'était des jeunes. Different color, de toute race, de toute langue, de toute couche sociale, instruits, non instruits, riches, pauvres, mais ce jour-là, chacun comprenait clairement tout ce que les autres disaient, quelles que soient les langues dans lesquelles ils s'exprimaient. Il n'y avait plus de barrière linguistique. À ma grande surprise, je leur ai demandé ce qu'ils faisaient là. Avec des larmes de douleur et de regret aux yeux, j'ai dit, « Pourquoi êtes-vous ici? Qu'est-ce qui se passe ?» Une voix féminine ou masculine, je ne m'en souviens plus, m'a répondu, « Nous attendons le prêcheur. » Je me suis dit qu'il s'agissait d'un pasteur, de quelqu'un qui nous parlerait de Jésus. Mais à ma grande surprise, quand je me suis retourné, c'était le diable lui-même. Il avait son pupitre à lui. Tout était arrangé pour que chacun dans la foule puisse l'entendre et voir tout ce qu'il faisait. Je me tenais devant le pupitre, juste en face de lui. Je pouvais le voir clairement. Et jusqu'à présent, j'ai toujours son image dans ma mémoire. Quand il s'est placé derrière le pupitre, il s'est mis à se moquer de nous. Il riait. Et chaque fois qu'il le faisait, c'était comme si de l'acide était déversé dans votre système, sur tout votre corps. Vous ressentiez la douleur, vous éprouviez du regret, vous vous souveniez de tout ce que vous avez fait. Il était très content car il avait à sa merci le nombre de personnes qu'il espérait avoir. Il nous disait, est-ce là le Jésus que vous serviez? Est-ce le Jésus que vous prétendiez aimer? Dès qu'il disait cela, les gens se remettaient à pleurer. Les chrétiens pleuraient plus. Les non-croyants pleuraient. Les riches pleuraient. Les pauvres, les pasteurs, les anciens, toute catégorie de personnes étaient là, pleurant. Le diable était très content. Il portait un très grand vêtement noir et rouge. Son aspect était terrible. Amen.
Dieu m'a ouvert les yeux et je me suis vu sous une tente avec le diable. La tente du diable était aussi grande que le monde. La foule était compacte. Tout le monde était au même endroit, sans aucune barrière de séparation entre eux. On était au même endroit. Je me tenais juste en face du diable. Il était assis, entouré d'une foule de gens. Chacune de ces personnes portait une marque sur le front. On pouvait la voir clairement. Elle était gravée en noir dans leur chair. En fait, quand on les regardait, c'est cette marque qu'on voyait d'abord. Boldly, before you saw their faces, is the mark that you foresee. And all of these people. Tous ceux qui étaient autour du diable portaient cette marque. So I was standing. Je me tenais donc près de lui, voyant les agents qui étaient autour de lui, jouant avec lui, se frottant à lui et se prosternant à ses pieds. Some of them were young, some of them. Il y en a parmi eux qui étaient jeunes, certains étaient vieux. Toutes les classes d'âge étaient représentées autour du diable. Je me tenais donc là plein de regrets, de douleurs et de larmes. Et je lui ai demandé, « Diable, qui sont ces gens ?» Chaque fois que je lui posais une question, il riait. Il riait encore et encore avant de me répondre. Chaque fois qu'il riait, tu étais envahi de douleurs, de regrets et du souvenir de tout ce que tu as fait sur terre. Après avoir ri, il m'a dit, ceci, ce sont mes agents, ce sont mes agents, les gens que j'envoie dans le monde pour tromper, séduire et corrompre le monde. J'étais intrigué. La première catégorie de personnes était constituée de femmes. La première catégorie de personnes que j'ai vues étaient des femmes. Je lui ai demandé, Satan, mais qui sont ces femmes? Il s'est mis à rire à gauche, déployé encore et encore. Il était très content, il était plein de joie. Et il a dit, ce sont là les épouses des faux pasteurs que j'envoie dans le monde. J'étais surprise. Imaginez à quel point nous honorons les épouses de nos conducteurs spirituels, à quel point nous les aimons. Mais certaines d'entre elles sont des agents du diable. Il a dit, ce sont là les épouses des faux pasteurs. J'ai recommencé à pleurer de plus belle. Il a dit, je les ai envoyées dans le monde. Elles faisaient semblant d'être saintes. Elles faisaient semblant de connaître Jésus. Mais elles manipulaient l'église, conduisant plusieurs dans mon royaume. Pendant qu'il disait cela, une des femmes s'est levée avec la marque sur son front et portant un vêtement très décolleté. Elle se dirigeait vers l'un des pasteurs qui, lorsqu'il était sur la terre, avait épousé une de ses femmes. Il avait une grande église. Elle est allée vers lui, tournant autour de lui d'une manière provocante, séduisante. Elle se moquait de lui, disant, pasteur, pasteur. Pendant ce temps, le pasteur serrait la Bible contre sa poitrine, pleurant et regrettant amèrement. Mais la Bible n'avait aucun effet. Aujourd'hui, si tu serres la Bible contre ta poitrine, c'est comme si tu étais proche de Dieu. C'est comme si tu lisais la Bible. Mais ce que j'ai vu ce jour-là, c'est que quand l'homme de Dieu le faisait en pleurant, la Bible n'avait aucun effet. C'était une grosse Bible, mais sans effet. Cet agent féminin tournait autour de lui, le touchant en disant, pasteur, pasteur. Elle riait et après elle est rentrée s'asseoir au pied du diable. J'ai vu une autre catégorie de gens. C'était des jeunes gens, 18-19 ans environ. Comme moi. Ils étaient très nombreux. Alors j'ai demandé, mais qui sont ceux-ci? Il a ri encore et encore. Il était content. Il a dit, ce sont là mes jeunes agents.
que j'ai envoyé dans le monde pour semer la confusion dans le monde, pour détourner l'attention des jeunes et les empêcher d'être concentrés sur Jésus. Pendant qu'il parlait, un jeune agent féminin, une sœur s'est levée. Elle était vêtue de longs collants noirs, comme beaucoup de femmes aujourd'hui. En haut, elle avait un débardeur à une seule bretelle. Ses seins étaient exposés. Elle était parée de bijoux. Une longue chaîne pendait entre ses seins. Elle portait aussi des boucles, des colliers, des bracelets, des faux ongles. These false nails that the wealthy people use do in their fingers with all kind of decorations. Avec toutes sortes de décorations. Elle avait les lèvres et les yeux maquillés. Elle était coiffée de mèches. She has been born on her head and she stood up. Sa peau brillait. Bref, elle s'était faite toute belle. Et même moi qui suis une femme, j'étais attirée lorsqu'elle s'est levée. Elle était très attirante. Elle pouvait capter l'attention de beaucoup de gens. Elle marchait d'une manière séduisante. Ses formes bougeaient de manière provocante. Et elle le faisait si bien. Et pendant ce temps, son maquillage et ses bijoux changeaient, prenant des aspects et des tailles différentes. Grosse boucle, petite boucle, le maquillage changeait de couleur, mais tout cela revient au même. Le diable a dit, j'ai utilisé ces choses pour plonger le monde dans la confusion. J'ai utilisé ces choses pour tromper les chrétiens. Je les faisais croire qu'ils sont chrétiens, même en portant ces choses. Mais voici, ils ne le sont pas. Il a dit, j'ai utilisé cette fille pour séduire les garçons dans l'église. J'ai aussi vu un frère. Il portait un pantalon digne avec une ceinture, avec une tête de mort comme boucle. Et cette fille s'est dirigée vers un des frères qu'elle avait séduit et à qui elle a fait rater l'enlèvement. Elle s'est mise à marcher de manière séduisante autour de lui, le touchant et agitant la main au-dessus du frère. Mais lui était en train de pleurer à chaudes larmes parce qu'il avait raté l'enlèvement. Après cela, elle est allée s'asseoir au pied du diable. J'ai aperçu une autre catégorie d'hommes, les hommes de main de Satan. J'ai demandé à savoir de qui il s'agissait. Il a dit, ces gens, il a ri encore et encore. Il a dit, ce sont là mes faux pasteurs. Voici mes faux pasteurs. J'étais comme frigorifié à cause du choc que cela m'a fait de voir le niveau de séduction parmi les hommes de Dieu aujourd'hui. Il a dit, ces faux pasteurs, je les ai envoyés dans le monde pour diluer la vraie doctrine. Je leur ai fait parler de prospérité. Je leur ai fait oublier la sainteté. Ils ont fait tout ce que je voulais. Ils ne prêchaient pas la sainte doctrine. Ils l'ont dilué. Pendant qu'il me parlait, un homme s'est levé avec une Bible en main. Avant, je me disais que les méchants ne pouvaient pas porter une Bible. Mais ce jour-là, il s'est levé avec une grosse Bible dans sa main. Et j'ai aperçu une grande congrégation, une grande église qu'il dirigeait quand il était dans ce monde. Il leur prêchait disant, tu seras riche, tu seras ceci ou cela, tu auras de l'argent. Il ne mentionnait même pas le péché, ni la sanctification, aucune chose en rapport avec le jugement. Mais seulement, tu seras riche, tu auras de l'argent. Et les gens qui étaient dans son église ce jour-là disaient, Amen. Il disait Amen maintenant en pleurant. Je peux encore revoir la scène. Il disait Amen maintenant en pleurant. Il a montré comment il prêchait aux gens. Et après, il est retourné à sa place. En retournant s'asseoir, il m'a regardé et il a ri. C'était bien la sainte Bible qu'il avait entre les mains. And then I turned.
Après, j'ai vu une autre catégorie de gens. Toutes les classes d'âge étaient représentées. Jeunes, adultes, riches, pauvres, lettrés, illettrés. J'ai demandé, qui sont ces gens? Il m'a dit, ce sont là les gens qui sur la terre chantent pour m'adorer. Mais les gens croient qu'ils le font par plaisir et pour le divertissement. Ils m'adoraient en chantant tous ces chants qui ne glorifient pas Dieu. J'ai voulu crier, oh Seigneur Jésus, aie pitié. Ce jour-là, même si tu appelles le nom de Jésus de toutes tes forces, cela n'aura aucun effet. Il n'y avait aucune trace de Jésus, aucun signe de pitié, de repentance, aucun signe de ce que nous avons maintenant. Il n'y avait aucune trace de grâce, aucune trace de lumière. Il n'y avait que regret, douleur, pleurs et grincements de dents. Les regrets d'avoir raté l'enlèvement. Toujours sous cette tente, Dieu m'a transporté à un autre endroit. Là, j'ai vu des gens surfant sur Internet. Mais ces gens n'étaient pas du tout noirs. Ils ressemblaient plus à des Asiatiques, Chinois, Japonais, Coréens. They look like Koreans, Japanese, Chinese. They have this look. And most of them. C'était pour la plupart des jeunes. They were sitting in front of computers. Ils étaient installés devant des écrans de toutes sortes. À côté, il y avait des photocopieuses et toutes sortes de nouvelles technologies étaient à leur disposition. They were having it in their hands. Some of them were sitting in front of it. Quand je suis arrivé au milieu d'eux, je me suis dit que je ne pouvais pas parler leur langue, car je n'avais jamais été dans leur pays. À ma grande surprise, quand j'ai demandé, pourquoi avez-vous raté l'enlèvement? L'un de leurs leaders ou enseignants s'est levé et a dit en japonais, nous avons raté l'enlèvement à cause de Internet. Je comprenais bien le japonais. Je me suis dit, mais qu'est-ce que Internet a à voir avec la Bible et l'enlèvement? Moi, je n'avais jamais su qu'il y avait un lien quelconque entre Internet et la Bible. Quand il a dit cela, j'étais choqué. J'ai recommencé à pleurer. Ce jour-là, tu vas pleurer comme tu ne l'as jamais fait auparavant. À cause de la douleur et des regrets, les larmes vont couler de tes yeux continuellement, comme si on pompait de l'eau à travers ton système. J'ai commencé à pleurer, je me suis redressé. Il a dit, avec regret, nous avons raté l'enlèvement à cause de Internet. Je lui ai demandé comment, pourquoi. Il a dit, nous sommes tous des chrétiens. Les autres ne pouvaient pas me parler. Ils pleuraient. C'était avec la tête baissée. D'autres étaient devant leur laptop. Mais leur visage montrait qu'ils avaient raté l'enlèvement. Il était le seul à me parler. Il a dit, nous sommes des chrétiens. Mais ce que nous faisons quand nous allons sur Internet n'est pas digne des chrétiens. J'ai demandé comment. Il a dit sur Facebook, les photos que nous publions montrent la nudité. Les choses que nous faisons, les endroits que nous visitons, les messages que nous envoyons sur Internet ne sont pas du tout chrétiens. Ce que nous cherchons sur Google n'a rien de chrétien. Nous cherchons la pornographie. Nous cherchons des vidéos de blues et des mauvais films. C'était en train de jouer des jeux vidéo. J'ai dit les jeux, quel rapport y a-t-il entre les jeux vidéo ordinaires et l'enlèvement? Il a dit, ça dépend du type de jeu. J'ai vu un autre jeune avec un téléphone sophistiqué. Il jouait des jeux vidéo. Son doigt était toujours sur le téléphone, montrant clairement qu'il jouait des jeux vidéo avant l'enlèvement. L'autre a dit, voilà ce qui nous a fait rater l'enlèvement. Je me suis crié, ah Seigneur, donc tu es au courant de tout ce qui se fait sur le net. J'ai juste dit, Jésus, aie pitié. Mais il n'y avait aucun signe de pitié, aucun signe de pardon, aucune lumière, juste les ténèbres. Dès que j'ai quitté un endroit, je ne pouvais plus voir à cause de l'obscurité.
Dieu m'a montré un enfant, 6-8 ans environ. Around the age of six to eight. Il regrettait d'avoir raté l'enlèvement. J'étais choqué. In regret that he has missed the rapture. I was shocked. What does a kid? Mais que c'est un enfant de 6 ou 8 ans au sujet de l'enlèvement. Je me demandais quel péché il avait commis, car pour moi, les enfants de cet âge sont innocents. Before now. I was shocked. He was il pleurait disant, j'ai raté l'enlèvement et cela m'a choqué. J'étais sur le point de prendre ce garçon. And I was the other side. On the other side, he was empty, but he was standing in front of, in that middle of that place. And then I was about to take this boy. To my surprise, I saw a man of God. À ma grande surprise, j'ai aperçu un homme de Dieu, un homme pour qui j'avais de l'estime et qui est honoré par des foules. Jusqu'à présent, je le vois encore clairement, comme dans la révélation. Il s'agit de Benny Hinn. His name is Benny Hinn. Cet homme est honoré et craint par des foules. Il se tenait de l'autre côté du garçon, essayant de le saisir. Quand je l'ai vu, j'étais tellement choqué que j'ai oublié le garçon. Et j'ai dit, toi, ici, comment est-ce possible? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'as-tu fait pour rater l'enlèvement? With confidence, with smile, with et avec confiance et tout en souriant et en riant, il a dit, je ne sais pas. He said, I don't know. I said, you don't know of what j'ai dit, mais comment tu ne sais pas? Il ne faisait que secouer la tête en disant, je ne sais pas. Il riait. Il s'était comme préparé à la douleur. Il a dit qu'il ne savait pas. Nous nous sommes approchés du garçon et chacun voulait le prendre. Grab the boy. We saw the devil turning into nous avons vu le diable se transformer en un faux lion. La raison pour laquelle le diable s'est transformé en un faux lion, c'est parce qu'il y a deux catégories de personnes. Ceux qui disent qu'ils aiment encore Jésus. Ceux-là sont emmenés directement à la torture. They will immediately cast them for punishment. À ceux qui renient Jésus, la marque est donnée immédiatement et ils deviennent plus méchants et plus mauvais que les agents qui sont avec le diable. Dès qu'une personne renie Jésus et prend la marque, elle devient impitoyable et commence à infliger toutes sortes de tortures, même à sa propre mère, et y trouve même du plaisir. Dès que tu prends la marque 666, on te donne tout ce que tu veux. Mais si tu n'as pas cette marque, et si tu crois toujours en Jésus, tu seras horriblement torturé. Chaque fois que le diable demande aux gens, croyez-vous toujours en Jésus? Si les gens répondent oui, le diable se transforme en un lion géant et féroce, avec des griffes capables, lorsqu'il est en colère, de réduire en poussière un mur en béton. When he pierces the stone, this big iron stone rocks like mountain. It will be like ordinary dust. It will just be like because of his anger, and by that. Cela remplit les gens de terreur au point que certains renient Jésus sur le champ. We don't believe in Jesus again. Le diable a pris le garçon et l'a mis sur son dos. The devil took the pendant que l'enfant pleurait, and placed him on his back, and said, "My son." While he was saying, le diable lui a dit, mon fils. Pendant ce temps, le garçon pleurait. Il l'a emmené là où les gens étaient torturés, un endroit plus sombre et plus ténébreux. C'était un endroit plus ténébreux, plus sombre. Les êtres humains y étaient torturés comme des animaux. They torture men as if men were animals. I saw it with my eyes. Je l'ai vu de mes propres yeux. Ils ont toutes sortes d'instruments de torture. They will take. They have all kinds of instruments for punishment. They have sharp. Il y en a qui sont tranchants. Il y en a d'autres qui sont destinés à écorcher la peau. Ils ont des fers chauffés au rouge. Ils les utilisent sur la peau des gens. You will see the iron red. They will use it upon the skin of mortals. I saw the devil. Le diable les écorchait le corps tout entier, petit à petit,
jusqu'à ce que la chair apparaisse de la tête aux pieds. The foreskin of the flesh. Il raclait la peau. He begin to clean. Petit à petit. Ensuite, il prenait des objets tranchants et commençait à découper les muscles petit à petit. Under the feet, he will skin us. He will skin them. He will skin them. And after skinning, he will use sharp instruments as if like needle. He begin to brush that skin little by little. And while they are petit à petit. Asks you, pendant que la personne est ainsi torturée, il lui demande, aimes-tu, crois-tu toujours en Jésus? Crois-tu toujours en Jésus? Si la personne dit non, son corps redevient normal à l'instant et elle reçoit la marque. Mais si tu dis oui, ils vont continuer à te torturer en te transperçant le corps et à faire de toi tout ce qu'ils veulent. Ils vont continuer à te torturer. Après cela, ils vont prendre un fouet. Une sorte de fouet muni d'épines. It has inches. Et commencer à te frapper. They will use it to whip this boss skin, and if you see blood, je voyais du sang jaillir. Je hurlais à la vue de tout cela. J'en souffre encore de voir les êtres humains être torturés pour avoir raté l'enlèvement et parce qu'ils croient en Jésus. Je ressens encore la douleur que ce spectacle m'a causé. Je souffre d'avoir vu des êtres humains être torturés comme des animaux parce qu'ils croient en Jésus et pour avoir raté l'enlèvement. Et parce qu'il croit encore en Jésus. Parce qu'il croit en Jésus. Parce qu'ils ont raté l'enlèvement. J'en souffre encore. Quand j'ai vu comment les hommes étaient torturés à cause de Jésus, maintenant la grâce est encore disponible. Personne ne te torture, personne ne te maltraite, personne ne s'occupe de toi. Pourquoi ne sers-tu pas Jésus maintenant? S'il vous plaît, frère, servez Jésus. Je l'ai vu de mes propres yeux. Il y avait deux groupes. Ceux qui croyaient encore en Jésus et ceux qui l'avaient déjà renié. Un groupe était constitué de gens qui croyaient en Jésus mais n'avaient pas encore été torturés. À un autre endroit, il y avait les croyants qui étaient passés sous la torture. Les asticots se mouvaient sur les corps de certains, car après avoir été torturés, les agents de Satan les abandonnaient pour un temps, afin qu'ils commencent à pourrir et à sentir plus mal avant de revenir sur eux. Ils vont te torturer jusqu'à ce que tu sois réduit à un squelette, mais le squelette sera toujours vivant. Ton squelette sera torturé, tu souffriras jusqu'à ce que tu reconnaisses que Jésus est loin de toi. So far from me. I saw in this prison skeletons were alive. J'ai vu des squelettes vivants. Ils hurlaient de douleur. Les larmes coulaient des orbites, des simples squelettes. À cause de la torture. Il n'y avait pas de nourriture. Il n'y avait pas d'eau. There's no water. You will suffer. You will suffer. Tu vas souffrir. Tu vas souffrir encore et encore. And then j'ai vu la mort de mes propres yeux. La mort était grande, mince, au regard farouche. On dirait qu'elle avait passé des milliers d'années en enfer. Ce n'est pas facile de voir son visage parce qu'elle l'avait couvert. Mais dans sa grâce, Dieu m'a montré son visage. Il était horrible. Ses yeux étaient enfoncés.
Imagine death that will come and take anybody. Maintenant, la mort vient vite chercher les gens parce qu'elle veut les emmener en enfer. Mais après l'enlèvement, la mort ne viendra que lorsque cela lui plaira. Elle viendra seulement lorsque tu auras été suffisamment torturé et prêt à mourir. Et frère, elle ne prenait jamais plus de 3 personnes. Aujourd'hui, la mort prend des centaines, voire des milliers de personnes à la fois. Mais après l'enlèvement, elle ne prendra qu'une ou deux personnes par jour et n'ira pas au-delà. But the punishment was so great. Les tortures étaient terribles. J'ai aperçu mon propre frère qui regrettait d'avoir raté l'enlèvement. I saw him. He was sitting in regret. La douleur était si intense qu'il était incapable de parler. Il secouait la tête et ne pouvait pas me parler, bien qu'il m'ait aperçu. Je ne lui ai posé aucune question. Dans la même foule, j'ai aperçu mon cousin Francis qui était tellement sous le choc qu'il ne pouvait pas me parler. I saw my cousin. His name is Francis. And then he was in shock. He was surprised, but was unable to talk. Toute personne qui disait qu'elle ne croit plus en Jésus recevait la marque. Quiconque confessait qu'il ne croyait plus en Jésus recevait la marque. La marque de la bête. Everybody who said they no longer believe in Jesus, they will receive the mark. I saw my brother. J'ai vu mon frère, j'ai vu mon cousin et moi-même. J'ai aussi aperçu un homme de Dieu, de race noire, et vêtu d'une veste. Il prêchait par le moyen d'Internet. Il avait son laptop sur ses cuisses. Il avait une grosse Bible. Chaque jour, il envoyait des messages, mais lui aussi a raté l'enlèvement. J'étais sous le choc car pour moi, c'est bien d'atteindre les gens avec l'évangile par Internet. Pour moi, c'est une bonne chose. Quand je lui ai demandé pourquoi il avait raté l'enlèvement, il a dit, c'est parce que je prêchais par Internet. Devant mon étonnement, il a dit que la vraie raison, c'est qu'il avait honte de porter la Bible en public. J'avais honte de parler de Jésus aux gens en public. J'ai trouvé dans le net le moyen de prêcher sans que les gens ne voient mon visage. Ils ne sauront pas que c'est moi qui parle. J'avais honte de porter la Bible. Ce jour-là, il avait une Bible plus grosse. Elle n'était désormais d'aucune utilité. He was sitting with it on his lap. Amen. I saw a pastor. J'ai vu un pasteur dont j'ignore le nom, mais que je peux reconnaître. Si je le rencontre aujourd'hui, je lui dirai que j'ai vu dans une vision qu'il avait raté l'enlèvement. Il tenait une grosse Bible en main. Je lui ai demandé, pourquoi as-tu raté l'enlèvement? Il a répondu, parce que j'ai prêché des fausses doctrines. Je ne prêchais pas réellement Jésus-Christ. Je ne parlais pas aux gens du péché et de la manière de vivre que Dieu demande. J'ai vu des gens qui se sont ouverts aux fausses doctrines. Ce n'est pas que c'est eux qui prêchaient ces fausses doctrines, mais ils ont raté l'enlèvement pour avoir suivi et mis en pratique des fausses doctrines. Because of the just listening to false doctrine and give it and practice it, they miss the rapture. In this world, we say it's our pastor. Dans ce monde, les gens disent c'est mon pasteur, c'est mon dirigeant. Mais ce jour-là, on ne te demandera pas qui. Tu seras tout simplement torturé pour avoir raté l'enlèvement. J'étais sous le choc, car ces gens ne savaient rien. Ils n'ont rien prêché. Ils ont juste écouté des fausses doctrines et y ont cru. Ils ont raté l'enlèvement pour cela. Le diable torturait les gens 3 à 3, les liant avec des chaînes pour les conduire au lieu de torture. Ces chaînes n'avaient rien de semblable aux chaînes que nous connaissons sur la terre. Les chaînes s'enfonçaient dans leur chair pendant qu'ils étaient traînés au lieu de torture. Le diable torturait surtout les hommes.
We have a group of you into your skin. Il prenait de temps en temps une femme pour la torturer. Because people doesn't want to go to the place of punishment. Les gens essayaient de résister. They will cry, they will hold mais en vain. But they will drag them, they will pull them with force. And I saw the devil punishing men before women. If he's taking the women, he will take one, two, but the men he will take them. Il prenait une femme de temps en temps. Mais il prenait surtout les hommes. Dieu demandait Satan, pourquoi tortures-tu d'abord les hommes avant les femmes? Il m'a regardé et il a ri encore et encore. Il a dit, c'est parce que les femmes sont des vases plus faibles. Avant que je n'aie fini avec les hommes, toutes ces femmes auront déjà renié Jésus. Et exactement comme il a dit, avant qu'il n'ait fini avec les hommes, le pourcentage des femmes qui avaient déjà régné Jésus était énorme par rapport à celles qui croyaient encore. Le ratio était de 1 ou 3 contre 100. Le nombre de femmes qui avaient régné Jésus était énorme. Je me suis vu en compagnie de deux autres sœurs. Nous nous tenions devant le diable, mais c'est moi qui posais les questions. I said, devil, why are you so wicked? J'ai dit, Satan, pourquoi es-tu si méchant? Il s'est mis à rire, rire encore et encore. Il était content, il se réjouissait d'avoir réussi à retenir un si grand nombre de gens. J'ai vu le diable dans sa forme originelle. Il est dit que le diable avait été créé parfait en beauté. C'est vrai, il était parfait en beauté. C'est pour cela qu'il peut attirer, séduire n'importe qui. C'est pour cela que lorsqu'il parle, les gens croient qu'ils sont en train d'entendre la voix de Dieu. Sa peau brille comme du diamant. Like milk, like butter color. He has this. He's so clean. He's glittering like diamond. On ne peut pas imaginer que c'est le diable. But when he wants to do something that is, mais quand il veut faire quelque chose de mauvais, il se transforme en tout ce qu'il veut. Il torture les gens, faisant toutes sortes de choses. To anything he wants to do, he will torture people. He will do all kind of things, and then. Alors je lui ai demandé pourquoi les gens avaient raté l'enlèvement. Il a ri encore et encore. Il a dit le manque de pardon, les péchés secrets, toutes sortes de choses. J'ai dit, attends, et moi, pourquoi ai-je raté l'enlèvement, moi une chrétienne? Il m'a regardé comme s'il voulait dire, tu crois que je ne suis pas au courant? Tu as raté l'enlèvement à cause du manque de pardon. J'ai dit moi, il a dit oui. Et quand il a dit cela, je me suis rappelé clairement mon père adoptif, qui était un homme de Dieu. Because my biological parents have lost them, but there was a man of God who took me like his child. Cet homme m'avait accueilli chez lui. Il m'aimait beaucoup. Et c'est lui qui m'a parlé de Jésus. Il m'aimait beaucoup. Ne trouvant pas ma vie spirituelle suffisamment forte, malgré ses nombreux conseils, cet homme s'était mis en colère contre moi. Il m'avait renvoyé de chez lui. Because he has canceled me several times. So he was angry with me. He was angry with me. And then, tout était en colère contre moi. Imaginez-vous l'orpheline que j'étais. Le cœur encore blessé à cause de tous les mauvais traitements que j'avais subis auparavant. How they have deceived us. And then the only person I have trust in. Voici que la seule personne en qui j'avais confiance me demande de quitter sa maison en me disant que je ne suis plus son enfant. Les plaies non cicatrisées se sont encore ouvertes et j'avais décidé de ne plus faire confiance à toute personne qui m'appellerait son enfant. J'avais aussi juré de ne jamais lui pardonner. Malgré cela, je m'étais agenouillé devant lui pour lui demander pardon en pleurant. Je ne lui avais jamais pardonné dans mon cœur jusqu'au jour où j'ai reçu cette révélation. Ce n'est qu'après cela que je lui ai pardonné totalement. Et maintenant, je peux de nouveau l'appeler Père. Je peux de nouveau lui parler sans rancune. Le diable a dit, tu n'as jamais pardonné à l'homme de Dieu. C'est pour cela que tu es ici. J'ai dit, c'est tout? Il a dit, non, tu vivais dans des péchés secrets. J'ai dit, moi, dans des péchés secrets, comment? Et soudain, je me suis souvenu que quand j'étais sur la terre, j'avais un projet de mariage avec un frère de l'église. Cette affaire venait de Dieu. Les dirigeants de l'église m'avaient demandé de prier à ce sujet. Et après l'avoir fait, j'en ai eu confirmation.
This is the brother that asked you. It's not that he was the one. It, everything was going orderly. Tout allait très bien. Les fiançailles n'avaient pas encore été annoncées dans l'église. Il nous avait été demandé de continuer à prier à ce sujet. Et on nous donnait des conseils. That we can be praying. They begin to cancel us to ourselves. We think now. Mais nous, nous avons cru que nous étions déjà mari et femme. Nous avons commencé à nous appeler au téléphone. Nous avons commencé à nous envoyer des SMS. Nous nous rendions visite l'un à l'autre la nuit jusqu'à ce que nous tombions plusieurs fois dans la fornication. After I have this revelation, après que j'ai reçu cette révélation, je me suis dit qu'aucune humiliation, aucune correction présente de la part de Dieu ne dépasse les tortures que j'ai vues. J'ai donc décidé d'aller tout dévoiler. Cette nuit-là même, j'ai appelé mon fiancé et je lui ai fait part de ce que j'avais vu. Cette nuit-là même, il est allé tout révéler au pasteur. L'autre jour, je suis allé tout révéler à mon pasteur. Il était très déçu. But after we said everything, après que je lui ai tout confessé, lui-même s'est mis à pleurer, demandant à Dieu de le corriger. Le comité disciplinaire de l'église nous a punis et les fiançailles ont été suspendues. Le pasteur a dit que nous pourrions recommencer à la fin de la suspension. Mais nous, nous prions toujours, demandant à Dieu si nous devons poursuivre nos fiançailles. C'est mieux de ne pas me marier du tout et d'avoir des fiançailles rompues que de rater le ciel. Quand je pense à ce que j'ai vu, c'est préférable de tout pour moi de tout perdre maintenant que de rater l'enlèvement. C'est préférable par rapport à ce que j'ai vu le jour-là. Le diable a dit que j'ai aussi raté l'enlèvement à cause du vol. J'ai dit, moi, voler, moi qui ai une maman sévère qui ne tolérait pas ce genre de choses et qui pouvait te fouetter jusqu'à ce que tu saignes. Alors je me suis souvenu de ce qui se passe au lieu de service où je travaille comme caissière. À la fin de la journée, on fait les comptes et il n'y a jamais de trou dans mes comptes. L'argent était toujours exact. Mais souvent les gens laissaient la différence. Ce n'est pas qu'ils m'offraient de l'argent, mais c'est parce qu'il n'y a pas de petite monnaie. Cela donnait souvent une bonne somme d'argent. Au lieu de laisser cet argent dans la caisse de l'entreprise, moi je me disais que comme c'est moi la caissière, tout ce que les gens laissent dans la caisse parce qu'il n'y a pas de petite monnaie, cela me revient. Le diable a dit, tu volais. C'était l'argent de la société. Dieu m'a montré que cet argent que je prenais ne m'appartenait pas. Le fait d'utiliser l'argent des autres sans permission pour mes déplacements m'a fait rater l'enlèvement. J'ai pleuré, pleuré encore et encore. Tout était vrai. Ensuite, j'ai demandé, qu'en est-il de ces gens? Il ne m'a plus parlé, mais m'a dirigé vers la foule. Et là, j'ai aperçu notre homme de Dieu. Je lui ai demandé pourquoi il avait raté l'enlèvement. Il a dit qu'il ne savait pas, qu'il était inconscient de ses péchés. Je lui ai dit, frère, beaucoup parmi les chrétiens qui ont raté l'enlèvement étaient inconscients des péchés qu'ils avaient commis. Ils se demandaient, ai-je fait telle chose? Ai-je volé? Et la réponse était non. Mais ils étaient inconscients. Des péchés commis inconsciemment, c'était pour moi un choc. Mais je me suis rendu compte que tout ce qui a un nom et qui commence ou finit par le péché est péché, que cela soit conscient ou pas. J'ai aperçu une autre sœur. Je lui ai demandé pourquoi elle était là. Certains étaient conscients de leur péché et d'autres non. Il y en a qui sont restés à cause de la fornication, d'autres à cause de l'amour du monde, d'autres encore à cause des péchés secrets. Le diable m'a dit que beaucoup parmi eux ont été laissés parce qu'ils n'avaient jamais servi Dieu dans la vérité et la sincérité. Ils étaient saints à l'extérieur, ils prêchaient la bonne doctrine, mais n'avaient jamais servi Dieu avec sincérité de cœur. Voilà pourquoi ils ont raté l'enlèvement. Je me suis écrié, qui donc est qualifié? Péché inconscient, manque de sincérité, comment peut-on savoir si l'on est sincère ou pas? Je me suis mis à pleurer, implorant la miséricorde de Dieu. Mais là-bas, il n'y avait aucun signe de miséricorde, aucun signe de pardon, pas même l'ombre de Jésus.
Aujourd'hui, on peut invoquer Jésus et bénéficier de sa grâce. Mais le jour-là, il n'y aura rien. Nous disons souvent, Dieu nous aime, Dieu nous aime. Dieu est un Dieu d'amour. Mais Dieu aussi, c'est un Dieu qui châtie. J'ai vu les gens en train d'être torturés. Ils imploraient la miséricorde de Dieu, mais en vain. C'était en majorité des jeunes. C'était surtout des jeunes. Ils étaient très nombreux. Je le répète, les jeunes constituaient l'écrasante majorité, plus de 75%. Beaucoup parmi eux ont raté l'enlèvement à cause de leur façon de s'habiller. Par exemple, en portant des bijoux. Le diable a dit, je les ai plongés dans la confusion pour qu'ils soient irrésolus. Quand ils s'habillent de cette façon-là, ils pensent qu'ils sont chrétiens, mais ils ne le sont pas. Je me suis rendu compte que rien n'est caché à Satan. Il a dit, beaucoup parmi eux se disent chrétiens, mais ils mènent une double vie. À l'église, ils paraissent saints, mais hors de l'église, ils vivent dans le péché. Je leur fais croire qu'ils sont chrétiens, alors qu'en réalité, ils ne le sont pas et ils ne le deviendront jamais. J'ai vu des jeunes filles. J'ai vu des jeunes filles qui vont à l'église en pantalon, des jeunes qui chantent la musique mondaine, qui transforment les chants chrétiens en musique mondaine. Ils avaient tous raté l'enlèvement. J'ai vu toute catégorie de personnes, des pasteurs, des anciens, des superviseurs généraux d'église. Mes sœurs, quiconque n'était pas qualifié avait raté l'enlèvement. You name it, everybody, anyone who was not qualified missed rapture. They missed rapture. Le diable se moquait de nous continuellement en disant, est-ce là le Jésus que vous prétendiez servir? Est-ce le Jésus que vous prétendiez aimer? Il le disait en nous montrant du doigt. Est-ce le Jésus que vous prétendiez aimer? Que vous prétendiez servir? Sa voix nous faisait souffrir et nous faisait pleurer. Est-ce le Jésus que vous prétendiez aimer? And you will see us crying. You will see us crying. Les gens pleuraient. You will see us crying. Les gens pleuraient. People who said they love Jesus. Les gens disaient servir Jésus, mais avec des péchés secrets. D'autres disaient le servir en vivant dans le mensonge. D'autres encore ne le servaient pas en vérité et avec sincérité de cœur. The devil was mocking us. He was le diable se moquait de nous. Il riait encore et encore. Il était très content d'avoir tant de personnes à sa merci. That he can do anything that he wants to do. I believe. Si Dieu m'a emmené dans le futur, ce n'est pas parce que je suis spécial. C'est simplement parce qu'il m'aime et qu'il t'aime aussi. Il veut nous corriger afin que nous ne rations pas l'enlèvement. Depuis que j'ai reçu cette révélation et jusqu'au jour où Jésus reviendra, je continue à examiner ma vie. Je continue à demander à Dieu si c'est sa volonté que j'aille jusqu'au bout avec ses frères. I continually look at my life. I continually walk. Every day and every time. As I'm saying now, I'm still praying. J'examine ma vie. J'examine ma vie. I'm going to quit. If God wants dit non, alors je vais tout arrêter. And before this day, I've been praying. Avant la révélation, quand j'ai prié, le Seigneur faisait souvent apparaître le visage de ses frères. Il a fait trois fois dans les rêves. Et le frère me disait dans ses rêves, arrêtons ces péchés avant que Dieu ne nous punisse. Mais nous n'avions jamais arrêté. Après ce rêve, le Seigneur m'a dit que nous devons nous rester séparés jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Until I am satisfied, you people should be apart totally. Until I am satisfied. I say God, until j'ai dit oui Seigneur, quand tu seras satisfait. En fait, c'est pour cette raison que j'ai dit à ma famille d'attendre la volonté de Dieu. I quit. Il fallait que Dieu soit satisfait. I quit. I said don't satisfy. The church they have announced it. In fact, because le pasteur m'a dit de faire venir de faire venir mon fiancé pour discuter, pour en parler. I'm so afraid. I said please wait. Before you go and meet mais moi, j'attendais encore la volonté de Dieu. I said, Lord, no, don't go. Let's wait for God.
Attendons Dieu. Mais chaque fois que le français et moi nous nous retrouvions, je lui parle de l'enlèvement. C'est mieux que Dieu soit satisfait plutôt que de perdre mon âme. It is better God become satisfied than I lose my soul. When in this dream, when I wake up, je me suis réveillé aux environs de 2 ou 3 heures du matin. It was around 2 la robe de nuit que j'ai portée était mouillée. Mouillé de larmes. Ce que je ressentais en esprit dans la révélation se manifestait dans mon corps, sur mon corps physique. In front of it, everywhere was wet with tears. Not knowing that while I was in the revelation, while my spirit was away, it was responding to my physical flesh that was lying on the bed. The canopy that was covered with, la couverture chauffait tellement que quand je me suis réveillé, c'était comme si j'étais dans un four. When I wake up, I feel the heat as if I was in a place where they were boiling me up, where they were cooking me up. Wake up. I was je n'ai pas pu parler pendant 15 minutes. Je pleurais tout simplement, demandant à Jésus d'avoir pitié, me roulant par terre. Je me disais que j'étais déjà morte. J'ai appelé des gens au téléphone et pendant que je m'efforçais d'expliquer ce qui s'était passé, ils m'ont dit de tout, de le mettre par écrit. Je l'ai vu de mes propres yeux. J'y ai cru. Je suis en train de le vivre. Dieu m'aime beaucoup parce qu'il m'a corrigé de mon vivant. S'il ne m'avait pas accordé la vision, l'occasion d'aller voir dans le futur, que me serait-il arrivé? Le diable a dit, tu es fiancé, tu vis dans les péchés secrets. Il n'a pas dit, tu étais fiancé. Cela veut dire que l'enlèvement peut avoir lieu n'importe quand maintenant. Depuis que j'ai eu cette révélation, j'examine ma vie chaque jour. Depuis lors, j'ai été victime de plusieurs accidents. Un jour, j'ai emprunté une moto pour rentrer à la maison. En voulant éviter un camion, nous sommes tombés, le conducteur à droite et moi à gauche dans une rigole. La moto est tombée sur moi. Tout ce que je pouvais dire, c'est la moto. La moto. J'ai dit aux gens d'enlever la moto de dessus moi et que je n'allais pas mourir jusqu'à ce que j'accomplisse l'œuvre de Dieu. Je me suis relevé sans rien et je suis rentré à la maison sans aucune douleur et j'ai massé la partie touchée. J'ai mangé, j'ai étudié et je suis allé au lit. Le lendemain matin, je me suis levé pour aller au travail. Lorsqu'elle m'a aperçu, mon ami qui avait été témoin de l'accident m'a regardé avec un grand étonnement. Je lui ai dit que je ne mourrais pas avant d'avoir accompli l'œuvre de Dieu. Un autre jour encore, nous revenions du travail tous la même moto, car c'est la seule moto qui dessert notre quartier. Le conducteur a eu les jambes sérieusement touchées. La moto était hors d'usage. La seule chose que je déplorais était la perte de mes sandales. Elles étaient coupées. Je n'avais rien au grand étonnement des observateurs. Intérieurement, je chantais, j'ai confiance en toi, Jésus. Jesus, I have confidence. J'ai confiance en toi, Jésus. En tout temps et en tout lieu. J'ai confiance en toi, Jéhovah Dieu. Jéhovah God. I took my sandal quietly and I was walking. J'ai ramassé mes sandales et je me suis mise à partir. Le conducteur a dit, laisse-moi te conduire à l'hôpital parce que j'avais une écorchure sur un orteil. J'ai dit, non, prends soin de toi-même. Moi, j'ai Jésus. Il va me guérir. Arrivé à la maison, on a enduit mon orteil d'huile. Et le lendemain, j'étais de nouveau debout. Beaucoup de choses sont passées, mais rien ne m'a touché. Je vivrai et accomplirai l'œuvre de Dieu. Je vivrai pour entrer au ciel. Alléluia. Mes yeux ont vu, mes oreilles ont entendu, ma bouche proclamera la bonté de Dieu. Mes yeux ont vu, mes oreilles ont entendu, ma bouche proclamera la bonté de Dieu. Mes yeux ont vu, mes oreilles ont entendu, ma bouche proclamera la bonté de Dieu. Mes yeux ont vu, mes oreilles ont entendu, ma bouche proclamera la bonté de Dieu.
seen, my ears have heard, my mouth we talk about the goodness of God. My eyes have seen, my ears have heard, my mouth we talk about the goodness of God. Me, I don't see. Me, moi j'ai vu. Moi j'ai entendu. Ma bouche proclamera la bonté de Dieu. Moi j'ai vu. Moi j'ai entendu. Ma bouche parlera des bontés de Dieu. We talk about the goodness of God. My eyes have seen, my ears have heard. Mes yeux ont vu, mes oreilles ont entendu. Ma bouche proclamera les bontés de Dieu. Mes yeux ont vu, mes oreilles ont entendu. Ma bouche proclamera les bontés de Dieu. Mes yeux ont vu. Mes oreilles ont entendu. Ma bouche parlera des bontés de Dieu. My eyes have seen, my ears have heard, my mouth we talk about the goodness of God. Amen. Amen. We give God the praise. À Dieu soit la louange pour sa bonté. This is the goodness of the Lord. Cet avertissement est une preuve de sa miséricorde avant le jugement. This is one of the greatest. C'est un avertissement très sérieux. À nous d'en faire bon usage. Is another thing to do the will of God. To be frank, few months. Récemment, un frère a reçu une révélation dans laquelle il m'a vu tenant un petit enfant et en train de faire le tour du monde. L'enfant parlait du ciel et de l'enfer. Et une des choses dont le frère se souvient, c'est que l'enfant déclara que Dieu a chargé un ange de hausser la température du feu de l'enfer. C'était au cours d'une nuit de prière. Pendant un temps, je me suis demandé si une telle déclaration était bibliquement fondée. Dieu peut-il rendre le feu plus brûlant? La pensée m'a hanté vendredi et samedi. Et le dimanche suivant, quand je prêchais, le Seigneur m'a dit d'examiner le livre de Daniel, au chapitre 3. Quand Daniel et ses compagnons ont refusé de se prosterner devant la statue du roi Nebuchadnezzar, c'était très sérieux. Il les a fait venir et leur a accordé, il leur a encore accordé une chance, car ils auraient dû être tués. La miséricorde a précédé le jugement. Il leur a accordé une seconde chance. Devant leur refus, il a demandé que la fournaise soit chauffée 7 fois plus. Now that we have given you a unique privilege that we have not given others, if you refuse, we'll send into this fire. So after the message, après la messe, je me suis rendu à d'autres endroits où je devais prêcher. Et à genoux, je disais à l'église ce que Dieu avait dit. Que si nous, gens d'aujourd'hui, avec toutes ces révélations, nous commettons les erreurs des générations passées, notre jugement sera plus sévère que le leur. Il y aura un enfer spécial pour nous. Chaque fois que j'entends un témoignage comme celui-ci, j'examine encore ma vie. Je ne prends pas les choses pour acquises. Mes frères et sœurs, ce témoignage est vraiment terrifiant. Imaginez que ce jour-là arrive et vous vous ratez le ciel. Quelle serait votre réaction? Tout ce que cela dit, ça peut vous paraître bizarre. Ça peut vous paraître même étrange. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est préférable de croire sans avoir vu. Le monde va vers la perdition. Le diable, en effet, travaille avec ses démons
pour offrir aux gens de bons services, des services corrompus pour les bloquer dans le péché, puis les conduire là où ils aimeraient qu'ils s'y apprennent. Aujourd'hui, écouter de la musique profane n'est plus recommandée, parce que moi-même, je suis en train de me libérer encore de tout ce qui n'est pas de Dieu autour de moi. Ça veut dire que le diable va nous chercher. Et lui, c'est l'accusateur. On dit que les gens même ont raté l'enlèvement pour des péchés même de lesquels ils étaient, mais qu'ils ignoraient. Que ta prière ce soir soit: Seigneur mon Dieu, s'il te plaît, aie pitié de moi. Veille me montrer, s'il te plaît, quel est le péché secret, le péché caché qui risque même de me faire rater le ciel ou de me faire rater l'enlèvement. Tout ce qu'il y a dans mon cœur, oh mon Dieu, s'il te plaît, libère-moi de cela. Je vais aller au paradis. L'argent, beaucoup d'argent ne peuvent pas me sauver. Les belles maisons, les grandes maisons, les richesses, moi, ne peuvent pas m'aider. Il n'y a que toi seul qui peux le faire, Seigneur. S'il te plaît, mon Dieu, viens me parler et réveille-toi à moi. Et dis-moi exactement qu'est-ce que je fais qui ne te glorifie pas afin qu'il puisse changer. Amen. Dieu peut te parler. Dieu va te parler aujourd'hui. Tu dois commencer déjà par savoir que si tu es une femme, les vêtements sexy, ce n'est pas pour toi. Il faut les abandonner avec le maquillage, toutes ces choses inutiles. Mes frères et sœurs, on n'a pas de maquillage, des make-up, les rouges à lèvres, les faux ongles, les faux cils, les faux cheveux. Ah, ma sœur, tout ce qui est faux aujourd'hui vient du diable. Toi, tu es un homme, tu t'habilles de façon vraiment très plaquée. On appelle ça près du corps, mais près du poumon. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? On dit les vêtements démembrés, c'est pas une bonne affaire. On dit déshabiller décemment. Et les tricots, où tu vois même les images, tête de mort, ce n'est pas pour toi. Mais regardez même ce gars qui est là. Il a une tête de mort même sur ce vêtement qu'il porte. Et si toi tu vois une ceinture, où on voit une tête de mort, ou sur la tête de la ceinture, c'est un serpent qui est là. Tu dois automatiquement te dire que le serpent représente le diable. Toi, tu ne veux pas mourir. Pourquoi vas-tu porter un vêtement où il y a la tête de mort là-dessus? Nous devons nous préparer au ciel. Nous devons nous préparer au ciel. Parce que c'est le seul endroit qui doit nous recevoir. Qu'en pensez-vous, mes frères et sœurs? Soyez vigilants. Nous sommes dans les derniers temps. Et ce qui se passe ces temps-ci, ce n'est pas du tout joli, joli. Il faut qu'on vous en parle. C'est pourquoi il y a ce bon année. Mes frères et sœurs, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo au moins à une personne. Vous sauverez une âme. Que Dieu bénisse, frères et sœurs. Prenez soin de vous.